Ce samedi 3 juin 2023, Hélène Darroze était l'invitée d'Éric Dussart sur RTL. Pour l'occasion, la célèbre chef a été questionnée par l'animateur dont refait la télé sur son avenir dans Top Chef. Et le moins qu'on puisse dire, si est que sa présence n'est pas assurée. Elle n'aurait plus assez de temps à accorder à l'émission de M6. Une quatrième victoire de suite pour Hélène Darroze. Depuis 2010, M6 diffuse Top Chef. Et le moins que l'on puisse dire, si est que depuis le lancement de l'émission, beaucoup de choses ont évolué. Beaucoup, mais pas tout. En effet, depuis la saison 6, Hélène Darroze fait partie du jury. Et cette année encore, la chef est prête à rafler le titre pour la quatrième fois. Pour rappel, le 7 juin prochain, son poulain affrontera celui de Philippe Etchebest lors de l'ultime épisode de la saison. Une dernière victoire avant de tirer sa révérence? Si est-il une possibilité? Présente dans Top Chef depuis 10 saisons, Hélène Darroze n'est plus aussi certaine de vouloir poursuivre l'aventure. Il faut dire que la chef possède 7 restaurants et n'a plus forcément le temps de pouvoir concilier les deux. Alors, à moins d'un allègement, elle ne pourra certainement plus être présente lors des tournages de l'émission de M6, j'avoue que la formule de l'année dernière, qui était un peu plus légère en temps, m'a plutôt séduite parce que, quand j'ai commencé Top Chef, j'avais juste 2 restaurants, Londres et Paris. Aujourd'hui, il y en a bientôt 7, ça prend du temps. Ce sont des exigences. Et de préciser, il faut qu'on discute. Il faut que je voie avec M6 et la prod ce qu'il en pense. La chef sait déjà ce qu'elle veut faire lors de sa retraite à 56 ans, Hélène Darroze a encore quelques années devant elle avant l'âge de la retraite. Mais la célèbre chef y pense déjà. En effet, il y a quelques semaines, elle a expliqué avoir plusieurs idées pour occuper son temps libre. Et le moins qu'on puisse dire, si est qu'elle ne restera pas dans la restauration. Elle souhaiterait que quelqu'un prenne le relais. Il faut dire que la jurée de Top Chef a d'autres projets importants pour son après-carrière, comme elle l'a avoué à Stéphane Rothenberg, dans Top Chef, le podcast, J'aimerais apprendre à danser. J'ai commencé à apprendre à jouer du piano. J'adore écrire, j'ai écrit tous mes livres et je suis sollicité en permanence pour faire de nouveaux livres. On me dit, ne vous inquiétez pas, on va les écrire pour vous, mais ça ne m'intéresse pas. J'aimerais continuer à être dans l'humanitaire et faire du sport aussi.